Zou. Ça, ce sera pas dans la VOD. Alors. Alors là, je sais qu'on peut se faire one shot. Bonjour monsieur. Hey. Hey, wake up. Crawl out of one hole and into another. You want to tell me what's going on here? Americano, si? Now what brings a bloke like you to this part of the world? Oh, hey, easy, whoever you are. Name's Leon. Came here looking for this girl. Seen her? What, are you supposed to be a cop or something? Nah, you don't look the type. Maybe. Okay, let me guess. She's the president's daughter? That's too good for a guess. Want to start explaining? Psychic powers. Nah, just kidding with you, amigo. I overheard one of the villagers talking something about the president's daughter in the church. Oui, il est beau, lui. Bon, faut que je me tienne prêt parce qu'il va y avoir un QTE. To be quite a ladies man. Why'd you quit? Phew, policia. You put your life on the line. Nobody really appreciates you enough for it. Being a hero isn't what it's cracked up to be anymore. C'est plus que c'était. Il manque des mots en plus. Only for a day though. I thought I was bad. Somehow I managed to get myself involved with the incident in Raccoon City on my first day in the force. That is the incident with the viral outbreak, right? I think I might have seen a sample of the virus in a lab at the department. C'est rigolo, il y a des échantillons de virus T dans les... It's Leon. Sorry I couldn't get in touch sooner, but I was a bit tied up. You're okay, right? Fine. There was a male civilian held captive. According to him, Ashley's in a church somewhere. What happened to him? He managed to escape. Do you have a fix on the location of that church? No. But apparently there's a secret passage in the village that leads there. I'm heading back to the village. Pardon, je me gratte. Donc oui, manque des mots. J'ai jamais fait attention. Et donc on va rencontrer quelqu'un de très étrange. Here, stranger. Le marchand qui fait sa life, hein. Très clairement il fait sa vie. Tac. Ça c'est marrant, la caméra elle est un peu reculée. Elle est proche hein, sur le premier chapitre. Là, elle est un peu reculée. Je me souvenais pas que ça se reculait vite comme ça. Got
pas bien quand il a tiré sur 10 médaillons, machin et tout. Il est rigolo, hein, le... Donc on peut lui vendre tout un tas de trucs, notamment ses spinels. Non, j'ai dit oui. Et le pendentif, je crois que je peux le vendre maintenant. Parce qu'il y a d'un... Il y a certains de ces trucs-là qui peuvent se combiner. Hein. Ouais. On va acheter le fusil. Pas me rester beaucoup de place hein, du coup, mais ce sont des herbes vertes, ça c'est quoi? Le TMP non, la lunette oui. Donc la lunette, voilà. Bon, donc oui, il nous vend des trucs, il nous vend des armes sans pression, des lance-roquettes. Il est bien équipé. Attendez, on va faire un peu de place dans l'inventaire déjà. On saura jamais qui c'est, un élément de gameplay, voilà. Qui c'est, c'est du gameplay. Il n'y a pas besoin d'être plus justifié que ça, on s'en fout. Comment on zoome? Ah oui, c'est comme ça. Tac. Alors c'est pas ici qu'on en a un qui... Parce qu'on nous a volé notre joli blouson. Et en fait, notre joli blouson, on va le retrouver plus tard. Sur le dos d'un villageois. Tac. On va laisser venir un petit peu, hein. Pas pressé. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il me semble qu'on peut aller se battre à côté du marchand, il va s'en foutre royalement. Attendez. Ah, c'est pas ce que je voulais faire. Mais d'accord. Oula. Boum. Voilà, ça c'est bien. Ça aussi c'est bien.
Voilà, il peut faire ça aussi, les moins, de temps en temps. Ah, il y a des gens là-bas. Ils spawnent, ils font quoi? Vous venez d'où? Je sais pas d'où ils viennent. Est-ce qu'ils spawnent? Est-ce qu'ils ont toujours été là? Oula! Ah, ils passent à travers les poutres. Ça, c'est intéressant. Très bien. Bon. Je la joue pas hyper bien cette phrase, hein, mais comme beaucoup de phases de ce jeu, je suis pas hyper habitué. Hein, c'est. Il faut que je fasse l'énigme qu'il y a ici pour qu'ils arrêtent de spawn, je sais plus. Hop là. Je récupère beaucoup de munitions de. C'est une munition de fusil, je crois que je récupère. Munition de fusil à lunettes. Oh! Tiens! Et que t'allais où? Mieux ça. Sur le fusil à pompe, c'est plus intéressant. Voilà. Ah, j'ai peut-être trouvé mon dernier récalcitrant. Qu'est-ce qu'il fait? Oui, tu sors d'où toi? D'où il sortait. Où il est beau. Il est pas mort. Voilà. Parfait. Il y en a un dernier là.
Presque plus une munition de flingue, très bien. Je le vis pas mal du tout. J'ai presque plus une munition de flingue. Oula. Voilà, venez en paquet, c'est mieux. Quoi? Ah oui, l'autre, il vient de spawn derrière là, d'accord. L'autre, il vient de spawn là, juste là. Je pense qu'il faut que je récupère tout ce que j'ai à récupérer. Et ils arrêteront de spawn. Parce que là, c'est infini pour l'instant. Bien entendu, une porte qui s'est ouverte. Je ne sais pas où il est. J'ai entendu une porte, mais... Hop. Ah, bah là, ça a fini. Ça vide spawn, d'accord. On va pouvoir se fouiller un petit peu, récupérer des munitions de pistolet, je l'espère. Je pense que le jeu va me dire d'aller me faire voir. Comment on rentre dans cette baraque? Parle-toi peut-être. Par contre, des munitions de fusil, j'en ai. C'est pas une porte, ça? Ah bah si, voilà, c'est une porte. Il y a un moment. On va te faire chier. D'accord, petite herbe jaune. Qui permet d'augmenter la barre de soins de façon définitive. Quand elle est combinée à une herbe verte, précisons-le bien. Il n'y a pas une boîte de munitions de pistolet. J'ai bien caché toutes mes munitions là. C'est. Bon. Oui, bien, c'est dommage. Voilà, je lui donne à lui pour l'instant, parce qu'on pourra les donner aussi à un autre personnage. Voilà, hein. Les énigmes d'R4, c'était compliqué. Hop. Qu'est-ce qu'il y a ici? Oui, c'est ce que je pense. C'est l'endroit que... C'est bel et bien l'endroit que je pense que c'est. Hop. Ah, ça, c'est très bien, ça. J'en ai récupéré combien?
10, d'accord. Là, il y a ça. Parfait. Là, il n'y a rien. Bim. Comment ça? Comment ça, encercler deux? Casse-toi. Ouf. Ouh, c'est... Hop là. Voilà. Hop. T'es pas trop mal placé celle-là. Hop. Ah, celle-là non plus était pas trop mal placée. C'est dingue, ils me donnent que des munitions de fusil de précision. Ils veulent que je sois précis. Hop. Est-ce que je peux tirer là ? Le jeu me dit non, tu tires pas. Non, le jeu me dit non. Il dit banco. Waouh. Hop là. Il a dit banco. Ah, toi je peux te tuer là. Ouf, la collate. Boum, MLG, la collate. C'était pas fait exprès. Ouh, c'était beau, mais c'était bien. C'est bien de l'avoir placé. Par contre... Merde. J'ai l'impression d'entendre courir autour de moi, mais... Voilà. Voilà. Hop. Attendez. MLG. Paf. La face n'a qu'à bien se tenir. Il enchaîne les tiki-lo snipe. Alors attendez, parce que du coup, je peux pas me déplacer avec le couteau. J'aurais bien aimé, mais je peux pas. Je veux juste être sûr que si je me balade, je marche pas là-dessus, quoi. Clac. La pompe. Bon, ça s'est pas hyper bien passé, mais bon, on va s'en contenter.
toute façon, avec moi, ça se passera jamais beaucoup mieux sur ce jeu-là. Hein. Je peux sauter. C'est quoi ces gros trucs? C'est miné. Permet de soigner totalement les blessures. Je savais pas. Je savais pas que je pouvais faire ça. Le poisson il faisait 4 mètres de long quoi. Plutôt 4 mètres de large. On va éviter de garder ça sur soi, tant pis. On l'a utilisé. J'aurais peut-être dû tirer sur le. Sur le corbeau. T'es toujours là le corbeau? Ah ils sont là, attendez. Putain. Bon. On va se contenter de ça. J'ai cru qu'il allait avoir le serpent. Mais non. Je sais plus que quand est-ce qu'il spawn pour la première fois le serpent. Je crois que c'est fixe, hein, mais. Clac. On est où là? Oui, je suis fin de chapitre. Fin de chapitre. Voilà. Compliqué, hein. Les énigmes. Note du chef. Comme l'a ordonné Lord Sadler, j'ai emprisonné l'agent. On ne l'a pas tué. Pourquoi? Je n'ai aucune idée des intentions du Lord. Je pense qu'il aurait mieux valu le séparer, au lieu de les laisser ensemble comme ça. Je ne crois pas que Louis ferait confiance à un inconnu, mais s'il venait à collaborer, la situation pourrait devenir délicate. Si un troisième groupe est impliqué dans tout ceci, je ne pense pas que ce groupe laisserait passer une telle aubaine. Peut-être s'agit-il d'une ruse de Lord Sadler, qui consiste à nous rendre vulnérables pour que ce groupe se dévoile, si tant est qu'il existe. C'est peu probable, mais si le traître est déjà parmi nous, notre plan risque d'en pâtir. Le Lord doit estimer qu'il est justifié de prendre ce risque, si on réussit ainsi à arrêter l'autre ennemi. Quoi qu'il en soit, sa décision est prise. Nous devons lui faire confiance. Ok. Donc eux, ils soupçonnent toujours qu'il y a encore un autre groupe. Et wink, 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 leurs soupçons vont se révéler fondés. Ces livres sont tous écrits en anglais, mais je n'ai pas le temps de les lire.
Bonjour, quatre chemins. You carry the same blood as us, it seems. Nevertheless, you're an outsider. Just remember, if you become unpleasant to our eyes, you'll face severe consequences. What? Same blood? Il vénère la fouine, hein. Alors. Leon, I've been able to get some new info that might help you. Fill me in. Apparently, there's a religious cult group involved. They're called the Los Illuminados. Los Illuminados? That's a mouthful. Anyway, I had an unexpected run-in with the big cheese of this village. But you're okay, right? Yeah. But he could have killed me, but he let me live. And he mentioned something about me carrying the same blood as them. Whatever that means. Carry the same blood. Huh. Interesting. Anyway, there are more important things than solving riddles right now. You're right. Hurry and find that church, Leon. Alors on peut retourner en arrière et avoir une petite scène. Je crois qu'il nous tue. Je pensais qu'il nous tuait, mais non, c'est... Ça doit être plus loin qu'il y a une scène un peu cachée comme ça où on peut se faire tuer. Ah! Désolé monsieur. Bon. T'es tranquille posé aux toilettes. Je l'ai un peu démonté. On dirait qu'ils mangent comme des êtres normaux. Petit œuf. Alors, prochaine fois que je vois le marchand, va falloir que je lui achète l'extension de la mallette, hein, tout de suite. Ça va devenir compliqué sinon. Il se trouve peut-être dans les environs. Tu crois pas si bien dire, mon coco. Bon, on va peut-être s'arrêter là pour RR4, du coup. 1h20, on aura fait 3 chapitres. J'avance pas très vite. Mais c'est pas grave. Voilà pour ce qu'il y a, et le jeu, ça se saurait. Tac. Petite VOD de 34 minutes. Écoutez, ça sera bien suffisant. Allez, des bisous, la VOD.